Alors, cet ordre immoral, donc thème d'un colloque organisé par Renaissance catholique avec des collaborations aussi prestigieuses que Claude Rousseau, Jean Sévillia, Tony Anatrella, Philippe Isnard, Jean-Marie Le Ménet, Laurent Dandrieux, Philippe Conrad, Martin Pelletier, Michel Sarlon-Malasserre, Jacques Trémollet et Bruno Gollnisch et Jean-Pierre Maugendre. Pourquoi avoir donné ce titre extraordinaire, l'ordre immoral? Alors, le sentiment que nous avions eu, donc il s'agit des travaux de notre université d'été de 2011, le sentiment que nous avions eu en organisant cette université d'été est que nous n'étions pas en train d'assister seulement à une défaillance de la morale traditionnelle, mais à l'institution d'une nouvelle morale. Et pour être tout à fait honnête, l'intitulé que nous avions choisi en 2011 pour notre université d'été, c'était le nouvel ordre moral, avec l'idée que les médias, de façon périodique, nous tympanisaient avec le risque d'un retour à l'ordre moral, mais qu'en réalité, c'est eux qui imposait un ordre moral. Simplement, cet ordre moral était fondé sur une morale qui n'était pas la nôtre, qui était une nouvelle morale. Donc, nous avons voulu explorer, d'une part, ce mécanisme et d'autre part, les fondements de cette nouvelle morale. Comment, la morale traditionnelle avait été taillée en pièces et comment une nouvelle morale était en train de se mettre en place, sur quels fondements, sur quels principes et avec quels moyens pour s'imposer. Et au moment de publier ce volume, nous avons évidemment été frappés par, au printemps, la répression complètement démesurée dont les manifestations hostiles au mariage homosexuel ont fait l'objet. Et ce déploiement policier complètement démesuré pour des manifestants qui ne cassaient rien, qui étaient pacifiques, qui étaient des gens bien élevés, ceux qui sont mécontents du désordre qu'ils installent dans la société. C'est un retournement Donc, étonnant. Ce retournement nous a paru extrêmement frappant, d'où le choix de ce titre, L'ordre immoral, et de cette couverture, puisque nous avons choisi en photo une photo qui montre les CRS entourant une manifestation de jeunes Français qui manifestent contre le mariage homosexuel. Ça nous a paru un raccourci saisissant de la situation actuelle et de l'inversion des choses. Je pense que l'inversion est un mot qui en français a deux significations, comme vous le savez, et qu'elle caractérise bien la situation actuelle. Il y a aussi ces déclarations de Vincent Peillon qui montrent sa volonté d'instaurer une nouvelle civilisation, comme dit Taubira, une nouvelle religion. Il faut vraiment bien mettre ses pendules à l'heure. Oui, on ne peut pas accuser la gauche dans cette affaire d'avancer masquée. Non, ils nous ont dit que c'était une réforme de civilisation et finalement, il n'y a pas d'emphase dans cette appellation puisque c'est véritablement une nouvelle civilisation. Simplement, je pense qu'on ne peut pas lui donner le nom de civilisation. C'est-à-dire que c'est un choc de civilisation, mais en réalité, c'est la destruction de la civilisation. Ouais. Là, à propos de ce titre et du mot ordre, quelqu'un cite dans ce livre un philosophe, sans donner le nom, qui dit: je préfère le désordre à l'ordre, car l'ordre peut provoquer un désastre encore plus grand. On est déjà là dans un mépris de l'ordre. L'idée de l'ordre est quelque chose déjà de très négatif. L'ordre, c'est vilain. Oui, parce que encore une fois, je pense que l'ordre est attaché à l'idée de morale et à l'idée de nature, c'est-à-dire à l'ordre naturel des choses et de gouvernement et d'autorité, voilà. Qui sont toutes les notions qui sont combattues par l'immoralité dominante. Voilà. Alors, première collaboration extrêmement intéressante, c'est Claude Rousseau qui est premier texte, c'est un étrange printemps français. C'est Jean-Pierre Maugendre qui. Oui, parce que donc ce livre étant publié 2 ans après l'université d'été
au cours de laquelle ces conférences avaient été présentées. Donc, d'une part, comme toujours, nous avons demandé un petit peu aux conférenciers de réactualiser leurs textes quand ils méritaient de l'être. Il y a notamment un texte de Jean-Marie Lemenet sur la bioéthique, le génisme, les manipulations génétiques. Il y a évidemment beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Donc Jean-Marie Lemenet a eu la très grande gentillesse d'actualiser son texte et de nous tenir au courant de tout ce qui s'était passé depuis 2 ans et qui ne faisait malheureusement que confirmer ces analyses. Mais compte tenu du caractère un petit peu extraordinaire du printemps que nous avons vécu et de la confirmation spectaculaire qu'elle donnait aux analyses qui avaient été faites dans cette université d'été, eh bien, nous avons pensé qu'il était nécessaire de rattacher l'un à l'autre. Et donc Jean-Pierre Maugendre a fait une longue introduction qui fait à la fois le récit de ce qui s'est passé autour de la contestation du mariage homosexuel et qui montre comment le projet de mariage homosexuel s'inscrit absolument dans le cadre des analyses qui sont faites dans ce livre, comment il en est en quelque sorte le couronnement et comment les analyses que nous avons réunies dans ce livre peuvent aujourd'hui éclairer tous ceux qui sont légitimement scandalisés et indignés par cette réforme et leur donner enrichir leurs argumentaires pour se défendre contre la montée de l'immoralisme contemporain. Alors, Jean-Pierre Maugendre cite l'abbé Guillaume de Mantière, qui est curé de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, dans le 15e, et qui a écrit dans son bulletin paroissial, à propos de ces gens qui se sont soulevés et qui ont manifesté, « Les médias les trompent, les policiers les arrêtent, l'école les endoctrine, les politiques les trahissent, les économistes les égarent, le clergé les abandonne, le chômage les attend, leurs familles se déchirent, le pays entier est plongé dans une décadence de bas empire. » C'est bien résumé ? Alors c'est bien résumé, c'est à mon avis un peu sévère pour le bas empire, qui ne mérite pas cette opprobre, mais sinon c'est un résumé qui est excellent, mais disons que ce qui est une source pour nous de grande espérance, c'est que c'est le genre de discours qui était tenu dans certains cercles très fermés et qui sont aujourd'hui tenus par des curés de paroisse parisiennes. Et je pense que l'une des grandes explications de l'ampleur de la mobilisation qui a eu lieu est quand même l'émergence de ce nouveau clergé diocésain qui est le clergé issu en gros des JMJ, des générations Jean-Paul II, Benoît XVI, et qui n'est pas le clergé des années 60 complexé vis-à-vis des idéologies de mai 68. C'est un clergé qui s'est engagé en sachant ce qu'il faisait et en étant... une vocation est un appel de Dieu, donc une vocation n'est jamais une réaction, mais dans le contexte intellectuel d'une réaction à l'esprit 68. Donc nous avons, après avoir eu pendant des décennies, après avoir subi un clergé 68-art, post-68-art, là nous avons un clergé anti-68-art, ça change tout. Et l'Église, ça existe, les paroisses, ça existe, tout ça, ça représente des forces vives, ça représente du monde, et le jour où ces forces vives commencent à descendre dans la rue, est un jour faste pour la renaissance de notre pays, de notre civilisation. Donc je suis plein d'espérance et je pense que la situation est beaucoup plus favorable que on ne pouvait l'imaginer il y a encore un an. Et puis, dans son introduction, il rappelle aussi saint Thomas d'Aquin qui rappelle bien « Toute loi portée par les hommes n'a raison de loi que dans la mesure où elle découle de la loi naturelle. Si elle dévie en quelque point de la loi naturelle, ce n'est plus alors une loi, mais une corruption de la loi. » Et il ajoute, Jean-Paul II, « Une loi illégitime n'est qu'une tragique apparence de l'égalité. » Voilà, Ce sont des textes très forts de Jean-Paul II dans Evangelium Vitae et qui sont absolument fondamentaux à assimiler et à comprendre aujourd'hui. Je pense qu'il y a une grande confusion dans une partie de la population
sur ce que c'est qu'une loi, c'est-à-dire que Jean-Pierre Maugeant, dans ce volume, L'ordre immoral, consacre une conférence, là ce n'est pas son introduction, mais c'est une conférence conclusive, puisqu'il l'introduit et il conclut, mais c'est le président de Renaissance catholique, à la dictature du relativisme telle que l'a défini Benoît XVI, et il montre le rôle de l'école de Kelsen, qui est un juriste positiviste, qui a finalement fait triompher l'idée qu'une loi, c'est une norme qui est votée dans les règles. Et dans les règles fixées par une autre loi, que la Constitution, qui est une loi antérieure, mais qu'il n'y a rien au-dessus de ces lois, qu'il n'y a rien au-dessus de ce positivisme juridique. À partir du moment où une loi est acceptée, elle oblige. On n'a jamais pensé jusque-là. C'est là, on rejoint ce que je disais il y a un instant sur la différence entre la démocratie classique et la démocratie moderne. Ce que depuis la nuit des temps on appelle le respect des lois, c'est le respect de lois qui sont elles-mêmes conformes à l'ordre naturel du monde, qui sont elles-mêmes conformes au bien commun. Une loi, c'est une loi qui est adoptée par des autorités légitimes, mais qui est conforme au bien commun et à l'ordre naturel. S'il lui manque ces conditions d'être conforme au bien commun, ce sont, comme le dit Jean-Paul Deutré justement, des apparences de loi. Et je pense qu'on doit être pénétré de cette conviction pour lutter contre la loi Taubira aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens mal formés ou à l'esprit plus faible qui se sont courageusement engagés contre la loi Taubira tant qu'elle était en débat, oui, on dit au lendemain du débat, bah, maintenant elle est adoptée, c'est la loi, il faut l'appliquer. Non, le fait d'avoir été adopté par une Assemblée nationale ne fait pas d'un texte qui est contraire au droit naturel une loi. Ça en fait une apparence de loi, comme le dit Jean-Paul II. Il leur faut peut-être méditer cette phrase du rapporteur du projet Taubira, qui est un type qui s'appelle Jean-Pierre Michel, qui a écrit, écoutez bien, « Le fondement du juste est le rapport de force ». Oui, ça c'est le fondement du totalitarisme. C'est quand même fabuleux. Ouais, ouais. Non mais c'est avoué, c'est bien dit. Nous sommes majoritaires, nous sommes les plus forts et nous faisons la loi. Goebbels n'aurait pas dit mieux. C'est très... On peut dire aussi, quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. C'est la même inspiration. Alors, évoquons ce très beau texte de Claude Rousseau. Mais alors Claude Rousseau, donc professeur de philosophie à Sorbonne, à qui nous avions demandé un petit peu au départ de nous expliquer pourquoi est-ce qu'autrefois on parlait de morale et maintenant on parle d'éthique. Et puis il était au-delà. Il a fait une conférence qui, je crois, est fondamentale et très très intéressante parce que il a rappelé au fond qu'est-ce que c'est que la morale. Et raconter, expliquer comment, pourquoi cette morale a cédé la place à ce qu'on appelle aujourd'hui l'éthique. Et il montre dans sa conférence comment cette éthique dont on nous rebat les oreilles n'a rien à voir avec la morale traditionnelle. Alors, qu'est-ce que la morale ? Eh bien, la morale, nous dit Claude Rousseau, on a toujours considéré depuis l'Antiquité que c'était, que ce soit les Grecs, les Romains, que ce soit Platon, Aristote, que c'était un ensemble de devoirs que permettait d'accomplir la vertu. Et ces devoirs, pourquoi devait-on les accomplir ? Eh bien, pour permettre l'actualisation de notre nature. L'actualisation, c'est un terme philosophique, c'est le passage de la puissance à l'acte. C'est-à-dire que l'homme se révèle pleinement homme lorsqu'il accomplit sa nature. Eh bien, cet accomplissement de la nature, c'est cela que nous impose la morale. Donc la morale repose sur un donné objectif qui est la connaissance de la nature humaine. Ce qui est moral, c'est ce qui va nous permettre d'accomplir notre véritable nature. Donc d'où l'intérêt de savoir ce que c'est que la nature humaine. Et il y a une réflexion qui doit être menée sur la nature humaine. Cette réflexion, elle aussi, a été menée depuis l'Antiquité grecque. Et on a traditionnellement dégagé trois dimensions principales de la nature. Par le seul exercice de la raison, là, nous ne sommes pas encore dans l'univers de la grâce. Par le seul exercice de la raison, la pensée grecque a dégagé trois dimensions principales de la nature. D'abord, elle a constaté que l'homme n'était pas auteur de sa propre vie. Ça, vous et moi avons pu le constater, que nous la recevons d'une famille et que nous sommes donc tributaires. On rejoint Jean Madiran, nous sommes des débiteurs. Nous sommes tributaires de la famille qui nous a donné la vie. Donc l'homme est un animal social, il est tributaire d'une communauté.
il n'est pas seul comme une paramécie par sissiparité. Bien. La famille elle-même est une société imparfaite au sens que la famille n'a pas tous les moyens d'accomplir sa fin puisqu'elle ne peut assurer l'éducation, la protection ou la transmission de la culture à ses enfants que grâce à la protection d'une société plus large. Cette société plus large, c'est la cité, c'est l'État, et c'est ce qui fait que l'homme est un animal politique, nous dit Aristote. Donc, deux dimensions, une dimension familiale, une dimension politique. Et puis, il y a une troisième dimension que les Grecs découvrent eux aussi sans le secours de la grâce, ou peut-être avec le secours de la grâce, mais sans celui de la révélation, eh bien, qui est une dimension spirituelle. C'est que l'homme, qui est un être fini, qui meurt, est insatisfait de sa finitude. L'animal n'a pas conscience de sa propre mort et donc n'a pas l'angoisse de la mort. Mais l'une des caractéristiques de la nature humaine, eh bien, c'est cette insatisfaction que nous avons du fait de devoir un jour mourir et cette aspiration que nous avons à l'éternité. Et cette aspiration à l'éternité, eh bien, a donné à l'homme le sens du divin. Et donc, la troisième dimension de la nature humaine, eh bien, c'est que l'homme est un animal spirituel. Donc, un animal familial, un animal politique, un animal spirituel. Eh bien, nous dit Claude Rousseau, les devoirs en quoi consiste la morale traditionnelle vont découler de cette nature, puisque nous avons vu que les devoirs consistaient à l'actualisation de la nature humaine. Donc, eh bien, à l'égard de la famille, eh bien, ça induit, nous retrouvons la piété filiale, la nécessité de transmettre ce que l'on a reçu. À l'égard de la cité, de l'État, eh bien, c'est la poursuite du bien commun, le respect de l'ordre, éventuellement le sacrifice de sa vie pour la communauté politique, pour la patrie. Et puis, à l'égard de Dieu, eh bien, la reconnaissance du fait que nous sommes des créatures de quelqu'un qui nous dépasse infiniment, et donc l'homme a une dignité particulière qui induit un respect de la vie qui ne nous appartient pas. Plus généralement, ce que souligne Claude Rousseau, c'est que on voit que la morale, qui est donc conditionné par ses devoirs envers la famille, envers la cité, envers Dieu, ben, la morale, c'est tout ce qui est conditionné par l'attachement à autre chose que soi-même. L'essence de la morale, c'est le détachement de soi pour l'attachement à quelque chose qui vous dépasse. C'est ça, la morale. Ce dont manque tragiquement notre époque. Alors, justement, on voit que on peut constater, Claude Rousseau n'en parle pas parce que son exposé est philosophique, mais qu'au fond, le XXe siècle a été le théâtre d'une tragique remise en question de ces trois domaines où s'exercent les dimensions fondamentales de la nature humaine, puisque le XXe siècle s'ouvre avec les lois anticléricales, la revendication de la laïcité, la volonté d'arracher l'homme à l'obscurantisme, d'arracher la parcelle divine qu'il y a dans la nature humaine, que la grande séquence, si vous voulez, qui s'ouvre avec les années 30, qui se poursuit pendant la guerre et la libération, et qui se poursuit encore pendant les guerres coloniales, disons, hein, le terme colonial étant dit sans aucun a priori péjoratif, il est peut-être impropre pour la guerre d'Algérie, qui n'est pas véritablement une colonie, mais un département français, je rassure, un ensemble de départements français, je rassure nos auditeurs. Et donc, dans tout cet ensemble, on peut constater tout de même une crise du patriotisme, puisque cette séquence va être une séquence en France singulièrement de guerre civile et puis un discrédit, un mépris jeté sur un mépris, mais surtout si vous voulez, les clivages vont se faire sur des idéologies. On va reprocher, si je prends l'exemple de la collaboration ou de la résistance, on va reprocher aux gens moins d'avoir trahi leur pays que d'avoir adhéré à une idéologie qui n'était pas... si vous voulez, voilà, on peut, je pense, résumer ce paradoxe dans le fait qu'on reproche aux collaborateurs d'avoir trahi la France, mais en réalité, on leur reproche d'avoir adhéré à une idéologie non démocratique par sympathie au fascisme et au nazisme. Et dans le même temps, les porteurs de valises de la guerre d'Algérie qui
ont également trahi leur pays en termes purement nationaux, eh bien, sont exaltés parce qu'ils ont adhéré à la libération nationale des peuples. Donc, on arrive à un moment où la patrie n'est plus fondamentale dans les choix politiques. Les choix politiques sont d'une autre nature, obéissent à une autre logique que l'attachement à la patrie. Et puis, vient l'après-guerre, troisième séquence, c'est l'arrivée du consumérisme favorisé à partir du plan Marshall, par l'arrivée de la société de consommation, etc., et qui débouche sur mai 68 et sur la destruction de la famille, qui est un obstacle au triomphe de l'hédonisme consumériste, moi, mon corps consommé, etc., etc. Donc vous voyez que les trois domaines dans lesquels s'exerçaient les devoirs de la morale sont en crise au XXe siècle. Et dans la foulée de cette crise, alors là je reviens à Claude Rousseau, se développe dans la philosophie moderne, autour de l'école de Francfort, quelqu'un comme Habermas, eh bien, le rejet de l'idée qu'il existe un bien objectif, que le bien et le mal puissent être définis objectivement. Dans la pensée classique, on définissait le bien et le mal objectivement par rapport à une nature humaine qui pouvait être analysée par la raison. Tout à l'heure, lorsque, suivant Claude Rousseau, j'ai essayé de définir les dimensions principales de la nature humaine, c'est par le seul exercice de la raison que je peux dire que, effectivement, l'homme n'est pas auteur de sa propre vie. Dans une discussion rationnelle, tout le monde peut admettre ça. C'est pas une conviction, c'est un fait objectif. Donc, la nature est fondée sur la morale, la définition du bien et du mal était fondée sur des constats objectifs qui est le constat de la nature humaine. Bien, à partir de Habermas et dans la foulée de cette crise de ces institutions autour desquelles se nouait la morale, eh bien, l'idée d'un bien objectif est rejetée, soit au profit d'une morale minimaliste, c'est-à-dire on dit bah la morale ça va être de pas faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, une espèce de morale contractuelle, hein, ne fais pas, c'est un échange un engagement à ne pas avoir de mauvais procédés plus qu'un échange de bons procédés, hein, c'est-à-dire que c'est du pur égoïsme projeté, c'est-à-dire comme je ne veux pas qu'on me vole, je ne vole pas, c'est ça devient le fondement de la morale. Et puis, mais surtout, parce que je crois que là nous en sommes là, une morale optionnelle, c'est-à-dire que l'individu est considéré comme produisant sa propre morale dans une espèce de transposition, si vous voulez, au fond de l'immanentisme moderniste. Vous savez que le modernisme, ça consiste à dire Dieu, c'est mon idée de Dieu. C'est moi qui crée Dieu. Eh bien, comme je crée Dieu par mon aspiration au divin, ça c'est le modernisme, eh bien, dans cette morale optionnelle d'Habermas, je crée mes valeurs parce que c'est mon choix. Il pense aussi que le protestantisme a influé sur ce comportement. C'est probable, mais le arbitre. C'est probable, ouais. Parce que le protestantisme a finalement marqué un recul de la raison, puisque à l'analyse rationnelle, on a préféré un fondamentalisme fondé sur l'écriture. Je pense que bon, là, je m'aventure peut-être sur un terrain miné, mais cette capacité à décider chacun en soi, évidemment, ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est ce que Maurras dénonçait, ouais, dans les idées protestantes qui sont à l'origine de la Révolution. Donc, on arrive à cette morale qui est purement individualiste. Et c'est là où arrive le mot de valeur. Et je voudrais mettre en garde, ça c'est vraiment, je trouve, un apport de Claude Rousseau dans ce livre, je voudrais mettre en garde nos auditeurs contre le mot de valeur, parce que moi je l'ai utilisé le premier, et nous avons tendance, parce que c'est un mot qui est dans l'air, à nous y réfugier, parce que quelqu'un qui a des valeurs, c'est mieux que quelqu'un qui n'en a pas. Et en réalité, le mot de valeur est le cache-nez de cette morale purement individualiste. C'est-à-dire qu'on ne vous reprochera pas d'avoir des valeurs, dans la mesure où c'est vos valeurs. Donc elles sont valables pour vous, mais elles n'ont pas de valeur objective qui puisse s'imposer à la société. Et donc le mot valeur est en fait un mot piégé pour remplacer le mot morale, parce que la morale est une loi, alors que la valeur est une option. Vous voyez, je pense qu'il faut faire très attention. Et surtout que c'est uniquement les valeurs de la République. C'est même pas les valeurs de la République à ce stade. Ce sont mes valeurs. Ouais. C'est ta vérité, etc. Seulement, la société moderne, voire post-moderne, je sais pas comment il faut l'appeler, la société post-68art, se trouve devant cette difficulté. Comment vivre? Comment faire vivre en société des gens qui revendiquent le droit d'avoir chacun leurs valeurs? Eh bien, ça va être le consensus. La morale, ça va devenir les valeurs majoritairement admises. Et donc, finalement, en, en,
En définitive, eh bien, c'est l'État démocratique qui va définir les valeurs. Donc, de tout temps, hein, il faut être honnête, de tout temps, notre nature déchue a eu besoin d'une éducation au vrai, au beau, au bien, et Platon imaginait que l'État devait être le garant de cette éducation. Le christianisme a été, de ce point de vue-là, une libération, puisqu'elle a confié à l'Église ce rôle d'éducatrice des peuples. Mais maintenant, dans la logique individualiste, bien, c'est chacun qui définit ses valeurs. Or, inévitablement, et surtout dans le contexte de prospérité économique que nous vivons, eh bien, la pente naturelle est que ces valeurs aillent vers la satisfaction de la convoitise. Hein. Donc, ça donne un hédonisme de masse. Et cet hédonisme de masse, faisant lui-même l'objet d'un consensus, devient une norme. Et on arrive à l'ordre immoral. Cet ordre immoral, c'est le consensus des individualistes. Or, ce que l'on constate, c'est que ce consensus vers l'hédonisme de masse, eh bien, pousse la civilisation, la société, vers la destruction des dimensions de la nature humaine que nous avons définies tout à l'heure, la destruction de la famille par les lois antifamiliales. Pourquoi la destruction de la famille ? Eh bien, parce que la famille est contraire au bien-être, l'enfant est une contrainte par rapport au jouir sans entrave, la destruction de l'État parce que le consumérisme a besoin d'être sans frontières et que donc que l'autorité est lui aussi une entrave à la jouissance sans règles et sans limites, et puis la religion qui donne un idéal d'ascèse, d'espérance surnaturelle, d'où ce qu'on a appelé la christianophobie. Et donc nous sommes dans une société destructrice autour de ce consensus, autour de l'hédonisme de masse, et comme toute société, aucune société ne peut vivre sans police, eh bien, on voit l'émergence d'une police du consensus. Et ce que font les forces de l'ordre quand elles répriment les veilleurs, si vous voulez, eh bien, c'est la police du consensus. Cette police du consensus, elle s'exerce par le politiquement correct, par la manipulation des esprits, en assimilant toute défense de la famille au retour d'un ordre moral, à l'hypocrisie, etc. En assimilant toute défense de la nation au fascisme, au racisme, au populisme, et toute défense de la religion à l'intolérance. Mais comme cette manipulation des esprits qui est permanente, que par la télévision, les médias, la publicité, le cinéma, etc. Il y a un texte de Laurent Dandrieux sur les 10 commandements de la morale médiatique dans notre livre qui revient là-dessus. Eh bien, comme ce politiquement correct qui commence avec la boîte de banania de vos enfants le matin quand ils prennent leur petit déjeuner, qui se poursuit à l'école si vos enfants vont à l'école publique, qui se termine devant la télévision le soir ou sur Internet, sur différents site, etc. Comme c'est encore pas suffisant, parce qu'il reste quand même cette étincelle divine qui en nous réagit, eh bien, il faut des lois répressives qui vont assimiler toute distinction du bien et du mal à une discrimination. La discrimination, c'est-à-dire le refus de cette morale hédoniste relativiste, de cette dictature du relativisme. Cette volonté de distinguer. L'intuition géniale du pape Benoît XVI, eh bien, va faire l'objet de lois répressives. Alors ce sont les lois antiracistes, les lois contre l'homophobie, les lois, enfin toutes les lois auquel on assiste. Et l'aboutissement, si vous voulez, de ce processus, là où les choses deviennent véritablement tragiques, c'est que, je disais tout à l'heure, que le bien et le mal dans la philosophie classique avaient été fondés sur l'observation de la nature humaine, eh bien nous sommes en train d'assister au phénomène inverse, hein, en ce début de 21e siècle, c'est que partant de l'idée maintenant communément admise par le consensus qu'il n'y a pas de bien et de mal objectif, que chacun secrète son bien et son mal, mais s'il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a pas non plus de nature humaine, puisque le bien et le mal, c'était l'accomplissement de notre nature humaine. Et s'il n'y a pas de nature humaine, tout est possible. La nature humaine est une donnée de l'esprit, tout est possible, et y compris la négation de la nature elle-même. C'est-à-dire, vous êtes une femme, mais non, on vous a mis ça dans c'est l'esprit, une erreur. En fait, vous êtes un homme. Plus rien n'est objectif et tout devient subjectif. C'est le subjectivisme absolu qui va jusqu'à ses conséquences les plus absurdes, c'est vous dire que votre corps vous trompe lorsqu'il vous dit que vous êtes une femme ou lorsqu'il vous dit que vous êtes un homme. Et c'est la théorie du gender qui est l'aboutissement et le mariage homosexuel. Vous êtes deux hommes, mariez-vous, etc. La négation de toute donnée objective pour le règne d'une volonté
pure, ordonnée par le consensus démocratique, lui-même manipulé par, en gros, les nouvelles élites médiatiques internationales. Voilà, voilà le tableau général de ce basculement de morale, qui est un basculement de civilisation. Alors, chaque article était... Tous les articles ne sont pas de haute philosophie. D'ailleurs, l'article de Rousseau est très facile à comprendre. Mais beaucoup d'articles prennent des exemples très précis de cette destruction systématique. J'aimerais que vous me parliez de celui de Anne-Marie Libert, qui montre comment, à l'ONU, on organise tranquillement la manipulation autour de, et ça c'est fantastique, de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Elle prend chaque article. Et voilà. Donc Anne-Marie Libert a travaillé. Elle montre comment a travaillé sur les Nations Unies, et elle montre comment la Déclaration des droits de l'homme de 1948, qui est une déclaration extrêmement amodiée et corrigée par rapport à la Déclaration de 1789, qui est une déclaration qui n'est pas seulement une déclaration des droits de l'individu, mais qui reconnaît un certain nombre de communautés, et notamment la famille, qui reconnaît le droit à la vie, etc. Elle montre comment, dans l'immédiate après-guerre, cette déclaration des droits de l'homme va être mise en œuvre par un certain nombre de conférences, de réunions qui se réunissent pour en donner des applications pratiques. Et ces applications pratiques vont aller presque systématiquement dans le sens contraire de la lettre du texte. Alors, évidemment, elle ainsi, donne... Par exemple, tous les êtres humains sont doués de raison et de conscience. Et elle démontre qu'à la suite de Julian Huxley et de sa bonne amie Margaret Sanger, tous ceux qui donc qui ne sont pas doués de raison, eh bien, il faut les éliminer parce qu'ils ne méritent pas de vivre. Ça va donner les programmes eugénistes. Il y a donc un article de la Déclaration de 1948 qui dit que la maternité et l'enfance ont droit à une aide et une assistance spéciale. Eh bien, paradoxalement, ça débouche sur la généralisation de l'avortement. Reproductive, qui est en réalité on estime que l'avortement pratiqué dans de mauvaises conditions est mauvaise pour la santé de la mère et que donc il faut généraliser l'avortement dans de bonnes conditions. Et on peut reprendre tous les articles de la Déclaration de 48 et il y a cette même inversion qui est expliquée par Anne-Marie Libert. Alors, on va considérer cette émission comme une introduction au livre et je vais faire une seconde émission toujours sur ce livre qui, chers auditeurs, est vraiment fondamental. Il explique remarquablement comment tout est distordu, tout est déconstruit, tout est manipulé dans tous les domaines. Je rappelle le titre qui est « L'ordre immoral » aux éditions Contretemps. Voilà, et vous pouvez le lire, vous pouvez le lire et l'acheter en écrivant à Renaissance catholique, 23 bis rue Édouard Newport. 92-150 à Suresnes. Ou en commandant sur le site internet par carte bleue. Vous verrez comment... Alors, il y a Mgr Tony Anatrella qui explique comment notre société finalement est complètement narcissique et c'est pour ça que l'homosexualité y connaît cette vogue extraordinaire. Vous avez Philippe Isnard qui raconte comment il a été viré, comment tous les profs pédophiles sont sortis de l'enseignement pendant 2 ans et que lui, il a été exclu du jour au lendemain pour avoir montré un film sur l'avortement. Vous avez un très bon article de Sevilla sur l'antiracisme à la théorie du gender. Enfin bref, Martin Pelletier sur l'écologie et le mondialisme. On vous parle tous les matins d'écologie. Quand vous aurez lu Martin Pelletier, vous comprendrez comment on vous ment. Encore une fois, cet ordre immoral, contretemps, merci Renaissance catholique. C'est un vademécum pour comprendre notre monde et comment il ne va pas. Merci beaucoup Michel de Gégère. Comme d'habitude avec vous, le temps passe très vite. Chers auditeurs, à jeudi prochain.